dit un cadre particulier et dans un cadre, on va dire, lié à l'histoire, on a peu, côté de Balgon causé autour de l'imagerie du duvalierisme en Haïti. Alors, je pensais qu'en plus, dans nos lacs haïtiens, on connaît, et que ça, sa période, ça voulait dire pour nous dans l'histoire, nous, ce plan d'histoire, que ça voulait dire de duvalierisme. On a parlé de duvalierisme, on a parlé de, on dit, exécution sommaire. On a parlé d'une période de. En période sombre dans l'histoire nationale, nous. On a parlé de bâillonnement de la presse, on a parlé de restrictions sur la liberté de la parole. Et on a parlé de. Comme au temps du nazisme, on a parlé des pogroms, on va dire, de crimes d'État, etc. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, je dirais, nous en cadre de, on dit, de devoir de mémoire. Et comme peuple, nous gagnons ça comme responsabilité pour nous gagner un attachement à l'histoire. Et un peuple qui part en histoire, un peuple qui quitte l'histoire, c'est, on dit, c'est l'autre monde qui a approprié de l'histoire, c'est un peuple qui est appelé pour disparaître. Donc, un peuple qui part qu'en histoire, c'est un peuple qui a disparu. Donc, c'est dans le cas de ça, bon, c'est important pour que nous soyons capables de renouer avec l'histoire, parce que là, nous avons une histoire, nous, n'a pas inscrit dans le futur autrement. Alors, n'a pas gagné honneur pour nous recevoir, Kestler Bien-Aimé, qui passe cette présentation. Kestler Bien-Aimé, c'est un sociologue, c'est un ethnologue, c'est moi aussi, ou des moi il travaille sur plusieurs thématiques, notamment sur la question de patrimoine, et c'est un homme qui a gommé, et sous reconnaissance, sous le jour moins, comme patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, c'est avec Kestler Bien-Aimé, mesdames, messieurs, que nous allons gagner chance pour nous et en fait échanger autour de l'imagerie du duvalierisme en Haïti. On essaie de battre un gros bravo. Merci. Merci, frère. Bon, merci à ici. Groupe ça et bienvenue dans l'espace public. Communauté haïtienne élargie et je pense que c'est une longue vie et de belles initiatives et comme ça pour Kembe, Jean Thématique Landrian et nos mémoires, c'est-à-dire plusieurs mémoires et plus vivantes et qui a même servi à Sambre Karele, un devoir d'instruction mais important pour nous continuer à apprendre sous pratique nous. Comme monde, actant, pensant en notre société. Bon, et ma première, c'est tout. C'est les anyo qui viennent. Ils sont quand même en train de son éducation est importante, hein, c'est-à-dire nous sommes accompagnés pour finir avec plusieurs simons là, parce que c'est son bon bagage. Et puis, avec des amis, les amis loin, c'est la vie. Et Réginal, etc., qui est là, qui a dit nous connaître des projets de jeunes garçons ensemble. Et nous avons vieilli, mon pote. Et nous avons salué Majorie, nous avons salué Tchouli, France Clairville, et Madame Jamouna, et bon, ça passe, il y a un peu de temps. Mais et donc, oui, et puis, il y a plus d'autres amis que. Chère madame, merci pour votre temps, les amis. Et, merci à toutes les amis qui nous portent. Moi, je pense que nous ne parlons pas. Et dramaturge, genre haïtien, acteur, et monsieur Labichin, qui est consommé en pile, et qui participe quand même dans le regard de la société. C'est-à-dire, son résumé de tout ça, autant dire des grands d'être comme ça, et puis bon, qui participent, qui ont des modèles, de bagages, qui apprennent des formes, bien sûr, différentes. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer que nous avons ambiance quand même exposé et non espace assez plurivoque de débat qui fait que ou même leur proposer ces résultats avec une idée quand même pour porter dans l'imaginaire. L'engager fait ouais dans l'imaginaire. Là, on tient en plus que ça qu'il a déjà, mais c'est prétention à ça. Bon, et merci pour la présentation. Hein, ok, et puis m'a parlé d'une part comme, avec un point de vue universitaire sous Samgadi. Donc ça veut dire que je me situe dans un lieu pour moi garder Samgadi comme objet. C'est-à-dire c'est pas un lieu de militantiste visuel qui est un droit, qui est légitime, qui est ça,
sous objet, c'est-à-dire sous photographie sans regarder. Et qui image du Valier ou songez qui est capable de rappeler au totalitarisme et régime. Nous supposons nous chacun dans tête nous et ça moins pas comme c'est une réflexion mienne là on est capable dit il capable permettre que Franz Clerville et puis Marjorie et moi qui baille dans et prendre note voilà super fifi et permettre que finalement ni capable indiquer pour mal faire plus recherche approfondie sous sous appréhension là et qui non, et qui image qui a montré populisme régime du Valéa, quelque part, il est traité également du populisme, et autant que totalitariste. Qui image qui a fait une songer ça, par exemple. Et qui image qui a résumé férocité, ok, c'est-à-dire, monsieur Daoud, ensemble de actes que nous, plus ou moins, on va là rapidement, mais on va voir que dans pile inhumanité, dans pile inimitié dans l'image, eh bien, qui image nous-mêmes, nous, probablement que l'autre image, nous te vois que m'paroué, m'passe que grand pile. Et les photos de Duvalier, tenant compte que son monsieur qui était assez méticuleux, et dans sa affaire, donc, lui décider, ça va te montrer. Et c'est rare que l'image qui nous a séculé, c'est pas monsieur encore qui quittait le séculé. Et ça, c'est dommage. Que par un effort de documentation qui fait sous et société, en fait, pour chercher vraiment les photos les plus intimes, finalement, du régime. Et qui image photographique qui a justifié ou non et l'amour il dit et pour peuple haïtien parce que lui-même il dit pour peuple travail et c'est à dire pour les paysans pour le plus grand nombre qui image nous songer moi qui a dit ça bon ok et qui image qui a montré révolution politique qui a parlé à qui déclassé et dans, qui classé dans quatre révolutions économiques, par exemple, ça l'a fait. Est-ce que bon bagaille qui parle, qui fait Noël, bon révolution économique là, vrai, bon développement, bon justice sociale, et la question logement, la question religion, la question, par exemple, religion, dans le vaudou, la question langue créole. Qui photo nous a songé, qui est capable de faire que nous dit, ah bon, ça nous est capable de dire, c'est tel bagaille, tel bagaille. Ouais. Maintenant, c'est ensemble de questions, ça va, on va montrer une ou trois photos et on va retourner sous dernier ça encore. On va montrer une ou trois photos et qui permettent nous plus ou moins situer par rapport à ça, même si quand on nous dit bien sûr, et différents, monsieur dans cour ancienne, Jacques, il nous dit voir n'est pas connaître. Donc, ça veut dire que le fait que nous avons une photo, nous moins nous connaissons ce qui est passé, etc. Parce qu'il y a des possibilités d'appeler préarrangement et de graphique ou de graphisme qui fait souligner les balles de ce genre qui va laisser découvrir là rapidement. Donc, cela dit, il faut que plus d'efforts et d'intelligibilité pour faire sur question ça. C'est ça. Et puis, bon, nous y là. Et nous prenons les pitots de gauche vers la droite. Là, on lecture et contre Z, c'est-à-dire en forme inversement. D'accord? Donc, on est que nous-mêmes. Et si messieurs, dames qui levaient de manière lecture occidentale, et c'est-à-dire on lit en photo de point A de manière comme ça qu'on sait, pas vrai? Mais on a fait le conseil, on a fait inverse là. C'est-à-dire qu'on a pris par ici, pas vrai? Et puis on ne parle pas comme ça. D'accord. Et cette lecture et cette photo est une photo de toute façon utilisée, et pose photo ça, l'utilisée dans différents cadres, et notamment par, et ça nous relie. Ça vous même relie et courant victime au mémorial, mon cap fait finalement mémoire victime. Et puis et également mon cap fait et pour commémoratifier, mon cap fait promotion pour Duvalier, par exemple. Mais si vous bien regardez, en première photo, photo ça et photo ça, si vous voulez bien, cinéma. Et photo, laissez-moi les numéros, photo ça avec photo ça. Et c'est même posant là, mais si nous d'accord. Nous la copier maintenant l'analyse m'a fait. Ok, c'est même posant. Allez regarder tous les traits, tous les éléments et symboliques, indiciels et en même temps manquants. Ma partie attention sur des éléments qui sont manqués dans la deuxième photo, c'est-à-dire dans la photo qui est en couleur. Et maintenant, il faudra se poser la question, par exemple, pourquoi finalement tel élément est censé manquer alors que c'est même photo là. Quelle est l'intention? Parce qu'on a parlé des gestes, réception.
n'a pas les actes, actes de production, actes de diffusion, actes de, actes de promotion, etc. C'est autant que, par exemple, ce monsieur lui-même, remarquez la pose qu'il a faite. Monsieur a posé et c'est un acte intentionnel. Lui, certainement, et invité photographe, lui, habillé, bien costumé, rangé. Et Livio, remarquez que l'impression de lui n'a jamais ouvert. Son impression. Ça veut dire que c'est une mise en scène qui fait et là, qui invite peuple en général, ou le monde si vous voulez, parce que dès que c'est leader, c'est mon billet, pour inviter nous garder en passation du pouvoir qu'elle a fait. Elle a indiqué nous ce que, par exemple, Bernard, Dietrich, il est nous, finalement, l'héritier. Ça me pose, à moins que je me trompe, c'est possible que je me trompe. Et vous remarquez que les livres ont été finalement effacés, dépouillés, et finalement enlevés, pour des raisons que, de toute façon, moi, pas nécessairement qu'on est. Et, mais de, le constat est censé ici fait, c'est-à-dire livre en diffusion, et c'est des photos connues. Donc, on veut dire que nos parents m'ont essayé de montrer nous et m'ont dit que nous là. Maintenant, quelle est l'intention d'enlever les livres, par exemple? Autant que finalement, ils ont l'intention de poser, pour, etc., ils ont l'intention de faire un contre-mémoire, et etc., qui fait que yo, les photos des livres. En même temps, si nous bien regardez, nous remarquons que finalement, l'élément qui est lié, par exemple, notamment avec la Syrah, il est effacé, de la croix, il est effacé. Donc, c'est des intentions. Et pour nous, si on vit une vidéo d'exposition, eh ben, il faut être honnête avec le public. Pour tout le monde dans le musée, comme ça, quand même. C'est-à-dire qu'on est que l'on invite une exposition, il faut qu'on dise biographie, objet de la cadeau. C'est-à-dire, sous pas faire, laisse ou mettez mon nom sur une situation d'aboutissement. Et nous pas l'impression travail sémiotique ça et il fait et sous image donc moi même c'est attirer attention nous pour de plus en plus nous garder corpus là et corpus là qui arrive il est en pile bagaille non agit nous en société hein. Et puis là pour une photo qui en bas avant c'est-à-dire photo côté monsieur dans bureau du travail lui. Et vous remarquez que lui-même son rapport avec l'église catholique est intentionnel. C'est son rapport affectif, son rapport assumé par Paul VI, etc. Et ça, il n'est pas qu'à échapper nous. Il n'est pas qu'à échapper nous, d'une part, pour une raison absolument importante. C'est que le jour, le 12 novembre 1964, et pour le coup même fait, monsieur Numa et Louis Douin, finalement, il a été assassiné devant, disons, dans le mur, et dans le mur cimetière de Port-au-Prince. Eh bien, il y avait un prêtre hein, sur les lieux, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, donc, ça veut dire, on a pas, le lien finalement de Duvalier avec l'Église catholique, nous pas suffisamment insisté sur lui. Voire même, quand on fait finalement la mémoire des victimes, nous remarquons que, pas même remarquer, nous avons constaté, ils ont fait l'Église venir sous cycle encore, c'est-à-dire, nous remarquons, nous avons fait du voie de mémoire, ils ont invité l'Église catholique de manière innocente, hein, de bonne foi. Ils ont invité l'Église catholique, vin chanter messe pour victimes que l'Église catholique te voué aller et au diable finalement dans le pays chercher pour eux. Ouais, bon, incohérence dans le travail là, qui méritait un peu d'intelligence quand même. Si on ne peut pas identifier nous, l'identifier est difficile. Hein? Si on identifie seulement Duvalier comme étant l'ennemi là, et nous avons fait zéro dans la bataille là. Alors que, c'est-à-dire, on va voir tout à l'heure que les bons prêtres qui viennent parler à monsieur et le regard de Numa. Abgadé monsieur, Abgadé monsieur qui a venu sous lui après. Hein. Par contre, c'est une image que nous parlons de toute façon tout à l'heure. Et que, mais c'est douloureux que nous pas suffisamment responsabiliser l'Église par rapport à cet acte. Voire même, et après, nous remarquons que ils ont invité l'Église, ils ont continué à inviter, ils ont venu chanter messe, etc. C'est que moi qui dégage à moi. Yo. Je pense qu'il faut nous, pas dénoncer, mais faut nous réfléchir sur ça. D'accord? Bon, et là, symboliquement, on voit l'Église catholique, etc. Bien placée et visible. Probablement, il y avait quelqu'un ici qui n'a pas souhaité vous laisser voir. Et monsieur Barry. Ok? C'est des actes, c'est des intentions. Mon image, il m'a dit, ouais, photographe là, ouais, il met ton Barry. Alors qu'il quittait, il a laissé la CIA. Bon, et. Bon, photo ça, il est tiré de quoi? Il est tiré dans le livre, directement dans le livre finalement de Duvalier, c'est-à-dire Mémoire, dont leader de Tiers-Monde. Ok, page.
Bon, voilà. Et puis, photo qui est un peu plus haut, si vous voulez, et ça qui apparaît comme première photo, là, lui montrer en scène, qu'elle a carré en scène de transmission. Et en tout sens, c'est une transmission et côté et monsieur a mené petit garçon, c'est-à-dire son héritier, et nous parlons pas de petit filio. Donc, mesdames, nous même, il faut nous réfléchir, c'est-à-dire, comment on fait si nous, l'autre, mesdames, pas pareil. Parce que c'est en même temps, monsieur, il dit, mesdames, mesdames, tout. Peut-être que ça, c'est monsieur qui suscite là. C'est des questions, ok? Et qui t'a mérité poser. Et même autant que pour une photo, ça, pour ça, nous parlons une photo comme ça, avec mesdames, monsieur. C'est des questions pour nous poser. Les n'a pas les deux, par exemple, questions du genre, les valeurs seulement. Et que vous avez à un certain moment épargné dans bagaille, mais en même temps, il y a des symboliquement des idées bagailles quand même. Et vous remarquez que c'est son scène d'initiation, et moi, c'est sa initiation, ou son scène de transmission et de connaissances. Et il y a un moins, bien entendu, avec double chargeur, et la visée, c'est sa photo grave. Là, il s'est quand même dit, on fait attention de manière anthologique avec la photo. Et parce que on ne peut pas porter la visée, même si il y aura les légendes dans Barailan, et que les légendes de plusieurs façons. Il y a un document qui dit qu'il a tiré sous des camos, qui m'a connu sous des mondes, mais il y a l'autre qui paraît plus crédible, qui dit que c'était un champ de tir. Ok? Et là, dans Dietrich également, c'est un champ de tir que il dit monsieur que il pas nécessairement a tiré par finalement les maîtres du monde. Et photo ça ne pas pareil là, mais et par rapport à Perpignan, mais nous connaissons les trois, et que ce soit Perpignan et Dominique, et puis et l'autre, mais en fait, ils étaient trois, que Duvalier et assassiné. Vous remarquez que finalement, mémoire au fait, et là, c'est une sorte de symbolisation, de héroïsation de ces trois, et que vous remarquez drapeau paysan et devant eux, puis on fait là son graphite, on sent qu'il fait son photographique, c'est composé. Il faut nous mettre son composition. Il y a une reprise comme ça qui fait dans Pétionville et dans rue. Bon, de toute façon, si nous prenons qui connaît dans la rue qui allait tout droit, qui passait tout droit devant, qui allait rue Chavanne. Ok, il y a un bon point, et trois messieurs Sayo, deux boîtes de mémoire, qui ont son belle fresque pour eux, et qui pour ta symboliser et passager dans le pays, etc., que Duvalier notamment assassiné. Mais ça qui est intéressant, c'est de regarder que l'usage qui fait de lui là, montage là, c'est un usage de théorisation de personnages là. Et des personnages. Et remarquez ici, à droite, nous avons la première femme, première victime, si vous voulez, et si nous lisons, bon, bien sûr, nous lisons ça déjà, Livre Rival là, et Jean-Pierre Rival, donc, c'est la première femme qui est, bon, première, qui est victime de régime là. Et directement victime, et cette madame, que je n'ai pas senti que il y a suffisamment de travail, mesdames, Jean-Réo fait sous question ça, alors que c'est la première victime, et symboliquement important, une fresque murale qui fait que moi été photographié, même si photo ça va me faire, même photographier fresquement déjà, et fresque ça dans la zone, oui, Macadium, ouais, c'est ça, et que besoin de Pomourin, Lila, donc honneur à commande là, mais en même temps, c'est une commande, c'est-à-dire, c'est pas le graffeur. Qui fait lire, etc., sur base artistique, pour nous un bon fond ici, on a abandonné, mais c'est une commande d'une institution, mais de mémoire. Donc, les grosses plantes, ça, hein, c'est pas le peuple haïtien qui, etc., a décidé, qui tellement embrassé cause, non, qui pensait qu'il faut justement certifier, finalement, l'acte perpétré contre cette madame dans ce temps-là, etc. Mais c'est plutôt une institution qui a commandé, justement commandé, ça, moi-même catégorisé comme dessin politique ou dessin institutionnel. D'accord? Qui est différent de l'Emoi ici à l'Ville Montréal, des mondes de Fagraf dans Bapon-Yo? D'une part, il y a ça, c'est des tags qui font, mais quand Mérion a invité au festival, nous catégorisé comme graffiti institutionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de même tension encore, il y a utilisé dans le paysage là, pour faire notre bagaille, pour faire nous, pour calmer. Et pour calmer les guerres. Bon, et vous remarquez que le bonhomme, c'est-à-dire le monsieur et le chef, etc., ici, un peu plus jeune, mais c'est comme s'il savait qu'on allait le photographier et qu'il propose. Et pour de bon, parce que c'est toujours difficile de photographier, notamment pour faire un portrait, et c'est l'élément la plus, disons, plus difficile. Faire un portrait au monde qui réussit.
Moi-même, je considère que assez souvent que j'ai des contrats pour faire des portraits, mais à chaque fois qu'elle me casse, c'est comment je vais le faire, etc. Parce que c'est pas évident, c'est pas seulement en studio. Là, il faut mettre en valeur le personnage. Ça veut dire que mon travail est assez méticuleux pour garder mon nom, pour quitter le décontracté. Vous remarquez que je me suis décontracté dans la photo. Hein? C'est, vous remarquez dans la photo, dans la première photo. Rarement on voit le bonhomme assez décontracté, hein? Le visage. Hein? Et ça veut dire que c'est il admet que me voilà. Et il n'a pas avancé. Et dans l'autre photo, par rapport à ça, regardez là, lui, ici. Et puis, avec visage ça, et là, c'est même non, c'est vraiment c'est le monde à l'envers. Et en termes de changement de caractère. Et vous remarquez que photo ça, son photo, bien sûr, que nous connaissons, il est rapporté que c'est en 1958, et lors finalement de l'invasion, et que. Il y a des gens qui rapportent que c'est sauvé, il mettait Castlan pour le passer, etc. Et probablement, nous avons l'autre version. Il y a des gens qui disent qu'il était pareil pour la bataille, etc. Bref, c'est compliqué. Et le jeune homme qu'on identifie comme le prochain héritier qui est en entraînement pour être héritier actuellement, et c'est-à-dire c'est pour le monde, l'intention est déclarée, hein, et même s'il n'est pas tant d'elle. Mais il a été quand même à Washington, c'est-à-dire un lieu de confection de pouvoir pour le tiers-monde. Et que depuis son retour, nous partons de parler encore, probablement on peut déduire qu'il y avait des consignes qui ont été passées. Et qu'à un certain moment, il va être finalement activé pour des besoins finalement de la cause du pouvoir qui part en train de payer, mais qui est ancré ailleurs. Et en même temps, quand ce sera fait, nous allons voir, c'est l'air ça, alors que Kounia a supposé une campagne sur question ça. Ou pas l'impression dans l'espace public, là, une campagne sous question ça. C'est l'air qu'on va l'activer pour produire des émissions, c'est l'air ça la campagne. On va faire contre-campagne par là. Pour avoir un déphasage. Et je pense que qui méritait que nous-mêmes nous disions, ça passe. Dans le moment ça, comment fait que, alors que finalement les déos du Valérie sont au pouvoir, bel et bien, bah, je ne nous apprends rien. Et puis, nous ne sentons qu'il n'y a aucune mobilisation par rapport à ça. On concentre finalement sur un certain monsieur Jouvenel, un certain encore Henri, alors que finalement, c'est des embranchements finalement de ce pouvoir qui est censé au pouvoir. Donc, on n'a pas l'impression que Sibio est aussi bien saisi. Et puis, l'autre photo, son dessin que j'ai trouvé sur la page de Nicolas, c'est toujours l'idée de première photo, c'est-à-dire transfert de pouvoir là. OK? Et même si ce n'est pas même posant, parce que le regard de Duvalier est ailleurs, si on regarde dans ça, par contre, pour que ça artiste a fait ça, mais quand même, il faudrait questionner pourquoi. C'est la même pose, et entre-temps, que le regard Duvalier a contrôlé probablement l'autre côté. Bon, ça, c'est intentionnel qui méritait en même temps. Mon qui est capable de dire ça. D'accord, c'est François qui a dit, bah, ça, monsieur qui. Et puis, pour finir, m'inviter. Bon, c'est toujours qu'on a dit, mais quand Duvalier il est là dans la photo, ça. Eh bien, il est là. Il est absolument là. Et c'est-à-dire, nous sommes aussi messieurs de Port-au-Prince. Et en 1986, et justement, lors de Bataille et les Savandalises, là, finalement, réaction a fait sous tombe lien. Et photo ça, et autant que je plus en pile dans le corpus de cimetière de Port-au-Prince, autant que je plus en pile dans le corpus du syndicat, et merci à syndicat qui te permet que moi, pendant 6 mois, je travaille sur le corpus lien. C'est une photo qui n'est pas à moi, c'est pas moi qui étais sur les lieux pour prendre cette photo. C'est une photo du syndicat, probablement lié à une aperçu pour eux. Et moi-même, je considère que c'est des objets sur lesquels je réfléchis. Et que je pensais que photo ça. Ce qui est intéressant dans la photo, ça, c'est autre chose. D'une part, c'est le lieu finalement de sépulture de Duvalier. Et désacraliser, si vous voulez, en tant que personnalité politique, etc., dans le contexte. Et tenant compte de ça, on dit l'Eltabral jouant tellement lent ou bonne histoire. Mais ça qui marque dans la photo, lui dit une parole très qui méritait que nous disions ça. Et nous pas ta parler, nous connaissons libre pour nous parler et nous déparler. Et c'est ça qu'il dit en 1986. Et ça, c'est très important. Et sinon, c'est très important pour que nous comprenions ça. Et que nous sommes libres. C'est-à-dire, nous sommes libres. Ça veut dire que quand nous sommes libres, on peut identifier plus ou moins quelle catégorie sociale qui parlait à ce moment-là. Hein. C'est très important. Hein. On est au 7 février, etc. 8, 7, 10 février. Et puis, libre de parler et même de déparler. C'est assez interpellant comme discours. Et donc, beaucoup de monde et qui a réagi légitimement et puis qui osait combattre comme ça, et alors que nous sommes dans une situation de déparler qu'on y a.
Et merci beaucoup. Maintenant, je vais retourner sur photo, sur question pour nous-mêmes, nous barrer à chaque fois. Désolé pour avoir été long et trop long. Et puis, je vais tourner sur question pour nous enrichir. Et ça me dire. Voilà, merci. Ok, on est bon. Nous allons passer à partir moment d'interaction. Mais avant tout, on a plusieurs chants là. C'est-à-dire, ou pas seulement nos chants histoire ou bien nos chants. Et on dit nos chants patrimonial, mais là où nos chants de la communication politique aussi. C'est où on a plein champ de la communication politique parce que. Photographie ou en soi, c'est il veut dire un bagage. Il y a une image, une communication, un message que chaque photo, dans la configuration des éléments qui entourent, donc il y a un message que il transmet. Donc de ce point de vue-là, photographie, c'est un outil politique. Son outil politique, car vous image aller, vous dites, mais qui savent bien comme vision, qui savent bien comme projet. Par exemple, dernier photo, qui savent bon même la dernière, là où est que les dernières photos, regarde papa en bas, petit là, lorsque. Ah, mais c'est pas ça, c'est grand message dans photo ça. C'est que. Ils voulaient montrer que une rupture qui voulait faite entre papa et petit. C'est-à-dire que petit ne va pas garder le même côté à papa. C'est vrai que papa était gagné en vision, mais même moi l'autre. Je suis capable de dire papa peut-être qu'il voulait faire un projet de là, papa était fait une révolution politique. Mais petit là lui-même, il n'a pas les mêmes lignes à papa. C'est vrai que c'est le même, c'est pas pour même chose pour lui. C'est-à-dire qu'il a assumé que quelque part il y a un lien, le lien de parent qui est deux sans pas capable d'effort de lui. Mais quelque part, gagner on l'autre regard. C'est-à-dire que c'est le même duvalier, c'est le même courant, mais d'un côté, on y a ce regard-là. On a déjà regardé. Donc c'est vrai que papa a voulu attaquer le système politique-là, je voulais faire une révolution politique. Mais moi-même, papa a aller dans la même ligne politique-là, je voulais faire une révolution économique. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là. Donc ce qui veut dire que, et à mon sens, et c'est un travail assez important, imagine, donc il y a un message. Bon discours, il y a une idéologie même qui se cache derrière les images. Par exemple, si on prend aujourd'hui par rapport avec guerre Ukraine-États-Unis, qui sont ouais, qui a véhiculé comme image, il dit Poutine, son nez qui vient cancer. Je dis, mais après monsieur, il a une image dehors, qu'on est qu'a fait judoka aussi, il voulait voir l'image. Pour un régime sous monnaie nationale, c'est pas monsieur Mirabel nécessairement. Et sauf que nous notons que la personnalisation du pouvoir et le bien commun qui fait et qui méritait quand même questionner parce que bien commun c'est bien commun et que monnaie nationale sont bien commun alors que nous avons une construction nationale qui pour continuer à faire et c'est-à-dire nous avons un ensemble d'éléments symboliques pour mettre en valeur donc les hommes ont le pouvoir d'utiliser propre image pâle et c'est-à-dire portrait pour mettre sous corps blanc, il faut nous être capables en tant que société questionner ça. Et pourquoi cette forme de personnalisation du pouvoir? Ben moi c'est ça, c'est tout un élément caractérisé au système totalitaire. Oui, oui, oui. Que le pays a fonctionné à l'image du. Oui. Bon, monsieur Désir, vous voulez que le pays a fonctionné à l'image. Image de vous, excusez-moi, la bouche. Alors par contre, si c'est après période là, ou si c'est n'importe quelle période, tu vas dire, image. Le Yokas et que nous avons réalisé avec nous deux activités, deux rencontres comme ça. Et pas pour nous chercher la vérité, mais pour nous essayer de questionner pratiquement nous et normalement aller plus fond dans la proposition du Valérisio et proposition pour du Valérisio et proposition pour nous capter mémoire. Et mémoire ou contre mémoire. Et ça m'a relié dichotomique mémoire binaire, ça, c'est-à-dire tout ou contre l'un que nous avons dit, nous avons été dépassés. Et pour éviter qu'un dé, pas pour faire du valier, mais en même temps, ils sont éléments de dissension de l'espace politique.
qui méritait quelque part nous-mêmes et nous aller droit au but et plus clairement à quoi, c'est-à-dire pas Zachary posé d'une part et c'est-à-dire c'est, ça veut dire chemin consistant pour nous parler de distraction parce que dans pile. Dans l'exposition, on va me trouver que c'est une distraction. Une question populiste, comment une question de merde, journée qui te déçoit. Je vais faire fini. Ok, moi, je vais si à partir des Duvaliers, oui. Comingue, Sacré Lobidon, Vigno, Jean-Louis. Ah ouais, bon? Parce que Jacques fait 15 février. Ça combien? Et 22. Il prend dans tout le pays, à tous côtés, fait au descendre par le prince. Oui. Le rive par le prince. Il va retourner. Il va retourner, ou bien par le prince à Belle-Bouillot, et puis il fait des bidonvilles. Voilà. C'est important de souligner dans mon logement, ça vient en tête, moi, parce que, t'allez bien, hein, mais mes parents, ils sont partisans, non? Oui. Nous allons parler des partisans, que si dans du Valier, quel que soit ça que tu as fait, qui t'a marqué un progrès social, et dans différents domaines, ça y est, mais sous logement, avant du Valier, pas de rien, bidonville, ça y est. Ça veut dire que Bidonville continue toujours. Lorsque nous empêchons Bidonville, il y a jalousie. Hein? Jalousie. Jalousie. Ça n'a pas existé avant Bidonville. Ça veut dire que ce qui est important à souligner, pas parce que Bidonville était méchant. Non. Pas parce que Bidonville n'est pas très méchant. Ça n'a aucun sens pour moi. Un candidat dit moi, mes peuples, quand on est mes peuples là. Tout le candidat est mes peuples, oui. Pour que je sois, tu es mes peuples là. Ou pas peuple. Okay. Donc, je pense que vous précisez que en fait, dans les listes, il faut étudier de façon plus sérieuse, de façon plus sérieuse. Moi, mais toute image que vous montrez là, ça, c'est ça que l'eau, mon frère qui dit, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Mon frère m'a dit, mais comment le pudding, le pudding, mais l'eau mange, il va faire, ah, mais vrai pudding. Là. La photographie, il est intéressé dans ce sens-là, que pourquoi on parle de ce sujet là-bas, photographie est capable de prendre Kimbel et puis devant, photographie a une évolution de tout, ou une cinéma. Ok? D'accord. Donc, pensez que c'est pas important, n'importe le désir, une campagne ou une femme. Ensuite, est-ce que tu vas laisser ça te permettre, créole, ton progrès par lui? Et que nous avons réalisé avec Edmo deux activités, deux rencontres comme ça. Et pas pour nous chercher la vérité, mais pour nous essayer de questionner pratiquement nous et normalement aller plus fond dans la proposition du Valérisio et proposition pour du Valérisio et proposition pour nous capter mémoire. Et mémoire ou contre mémoire. Et ça m'a relié dichotomique mémoire binaire, ça, c'est-à-dire tout ou contre l'un, que nous avons dit, nous avons été dépassés. Et pour éviter qu'un dé, pas pour faire du Valier, mais en même temps, ils sont éléments de dissension de l'espace politique hein, qui méritaient quelque part nous-mêmes et nous aller droit au but et plus clairement à quoi, c'est-à-dire pas Zachary posé d'une part et c'est-à-dire c'est, ça veut dire chemin consistant pour nous parler de distraction parce que dans pile exposition, on va me trouver que c'est une distraction. Une question populiste, comment une question de merde. Oui, Je vais finir. Jacques fait 15 février. Ça combien? Et 22. Il prend dans tout le pays, à tous côtés, fait au descendre par le prince. Oui. Le rive par le prince. Il va retourner. Il va retourner, ou bien par le prince à Belle-Bouillot, et puis il fait des bidonvilles. Voilà. C'est important de souligner dans mon logement, ça vient en tête, moi, parce que, t'allais bien, hein. Mais mes parents, ils sont partisans. Oui. Nous allons parler de partisans. Que
si dans Duvalier, quel que soit ça que tu as fait, qui t'a marqué un progrès social, et dans différents domaines, ça y est, mais sous logement, avant Duvalier, pas bien bidonville, ça y est. Ça veut dire que bidonville, ça continue toujours. Donc, on a pu son vivre les. Jalousie, hein? Jalousie. Jalousie. Ben, ça n'a pas existé avant du Valier. Donc, ça veut dire que ce qui est important à souligner, pas parce que du Valier était méchant. Non! Pas parce que du Valier n'est pas aimé, peuple, ça n'a aucun sens pour moi. Un candidat qui aimé peuple, quand on aimé peuple là. Tout candidat qui aimé peuple, oui. Pour que je sois, tu aimé peuple là. Ou pas peuple. Ok? Donc, je ne sais pas si vous précisez que l'affaire du Valier est là. Il faut étudier de façon plus sérieuse, de façon plus sérieuse. Moi, mm-hmm. Même toute image que mon Judaïo, ça, c'est ça que l'eau. Mon frère qui dit la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Mon ami m'a dit mais comment le pudding? Mais l'eau mangé, il va faire ah, mais vrai pudding. Mm-hmm. La photographie m'a intéressé dans ce sens-là. Que pour nous parler de ce sujet là-bas, photographie est capable de prendre qu'un bel et puis devant, photographie est l'évolution de tout, ou un cinéma. Ok? D'accord. Donc, je pense que c'est le bail qui est important. N'importe le désir, nous avons un bail ou pas moins. Ensuite, est-ce que tu vas aller ça te permettre, créole, là, pour progrès par vous? Oui, vous avez posé une question. Septième point. Oui, oui. Qui image qui a montré révolution politique qui était déclarée? Déclarée. Question révolution économique? Oui. Développement? Oui. L'enrichissement social? Logement? Religion? Vaudou à clan créole? Je ne prends pas dernière parce que nous sommes au milieu créole. Oui. Duvalier t'a toujours dit. Moi-même, par contre, parler créole. Mm-hmm. Ça, c'est le premier bail. À noter, quand Duvalier parle vraiment pour le mouvement créole. Mm-hmm. Un. Deuxièmement, le mouvement créole commençait sous pied. Il y a une réunion mouvement créole qui a fait la radio Caraïbe. OK? Qui m'a dit la donne, Pierre Bambou, etc. Moi-même, je saute en prison 2 jours avant. Je suis des pieds bambou là, et je suis dans la fondation Mouvement Créole. Et je descends dans le quartier de Chavannes, je suis un homme qui a monté, un jeune homme, et je fais ça. Je dis, oh, ça sont un fou. Et puis tout ce qu'il a fait, ou là, ça avec qu'on a parlé. Qui ça le devait dire? Par la radio Caraïbe, non? L'homme est pris. Là, sur le tourné qu'on a pour sortir. Il fait ce débat qui est dans la Radio Caraïbe, bon, et les autres. Mm. Ça veut dire, si je descends dans la Radio Caraïbe, je fait 2-3 ans en prison encore. Voilà. C'est un souillé avec créole. Pour causer créole. Causer créole. Mais si je prends l'autre cause encore, nous avons logement. Mais logement, mais même. Mais c'est pas aussi, c'est sous Jean-Claude. Hein? Qui est-ce? Non, sous créole. Non, c'est François. Il dit, moi-même, par contre, parle créole. Bon, c'est pas pareil, pas monsieur. Parce que c'est monsieur encore François Duvalier qui parle craser le mouvement créole, arrêter mon qui a fait de créole. Ok? C'est pour préciser. Et là, on a la cour, ça s'est hein? Là, on a la cour, il pas de monsieur. Oui, il était monsieur. Mais on a Atlanté contrôlé. C'est toi qui était contrôlé. Mm-hmm. Mais on a Atlanté qui était contrôlé. Hein? C'est pas vraiment. Il y a un mouvement créole qui est lancé avec Bambou et les autres. Mm-hmm. Parce que tu peux bagarrer ça, hein? Il n'y a pas de bagarrer ça. Hein? Parce que tout le monde a une parler créole, ça veut dire que vous êtes capable à ce moment-là diffuser des informations idéologiques, mm-hmm. politiques à son compte, pas monsieur. Mm-hmm. Une contexte. Mm-hmm. Quel contexte est-ce que tu as arrêté le monde pour créole? Pour créole, d'ailleurs. Un contexte. Tu as arrêté le créole là. De parler de la radio? Eh bien. Parce que nous mettons nous en créole sous pied, nous-mêmes jeunes garçons à l'époque là, nous avons milité dans le parti de gauche, qui n'a depuis quelques temps qui n'a pas fait plaisir, nous sommes tous émissions radio, mais bon, nous avons même si on a parlé de persécution de Duvalier, a fait de la gauche là, sous parole de papa les dit tout.
parce que américain contrôle situation générale. Oui, la cité a été nous-mêmes parce qu'on a fait musique en créole, parler créole, fait théâtre en créole. Est-ce que nous avons été nous-mêmes pour question créole? Ah ben, tout à fait. Qui est à KPK avec Yvan Spol? C'est du théâtre créole? KPK, c'est Jean-Claude? Non, KPK, c'est un dans la période, KPK a loué, c'était Magali, etc. C'était pas créole, mais c'était des bails créoles qui t'a boumé contre Duvalier.